Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on a pris 5 heures de maintenance. 5 heures, ça brûle bien. Au bout de 3 heures, on a une petite feinte de Lilith pour ceux qui l'ont raté. Pendant 10 minutes, on a pu se reconnecter. On s'est fait direct dégager. Alors certains se disaient, peut-être une faille, j'aurais pu l'exploiter. Écoutez, moi je me suis reconnecté, je suis resté 10 minutes, j'ai eu le temps de faire le tour de tout, des bâtiments, d'aller dans la taverne, regarder les clés, j'ai tout regardé, je n'ai pas trouvé de bug à ce moment-là. Je me suis dit c'est peut-être les packs qu'ils allaient rajouter puisque les packs n'étaient pas là, mais comme vous allez le voir, ils ne sont toujours pas in-game. À mon avis, ils vont apparaître dans la journée, demain ou plus tard, mais en général, ils se déclenchent quelques heures, une heure à deux heures après la fin de la mage. Donc on a un petit peu de temps puisque là, je recorde, ça vient de réouvrir depuis moins d'une demi-heure. On va aller voir ensemble ce que cette mage a apporté car sur le papier, elle n'apportait pas grand-chose. Donc regardons tout de suite la première chose, bien évidemment, qu'on veut tous voir, c'est les nouveaux commandants. Donc on a bien deux nouveaux commandants qui ont pop, à savoir notre ami Lubu, notre ami Bogdanov Lubu, et sa meuf Diao Chan qui est bien là. Et quand on regarde, comme je vous le disais, si on va directement... Alors avant d'y aller déjà, regardons la petite spécificité en bas à gauche. Regardez, il y a une petite voix, on peut choisir la voix chinois, japonais ou anglais. Ne pensez pas que ça va être une nouveauté qui va être appliquée à tous les jeux, à tous les commandants. Justement, je dis les jeux car ça vient du fait que dans Dynasty Warrior 9, ils ont les voix en chinois, en japonais et en anglais. Donc à mon avis, ils ont voulu continuer sur cette lancée et le faire pour ces deux commandants comme ils les ont dans Dynasty Warrior. Mais je ne pense pas que tous vont les avoir à présent. Il suffit de regarder, par exemple, si je regarde Zenobia, est-ce qu'ils lui ont mis de la voix? Non. Donc je pense vraiment c'est spécial pour ces deux-là et ça ne reviendra pas par le futur. On va bien voir. Mais en tout cas, on peut changer la voix à présent. Je peux mettre la voix japonaise si je kiffe plus les japonais ou mettre la voix chinoise. Si je veux la voix chinoise, moi, perso, je la mets en anglais. Et donc, voilà. Et je vous disais, si on regarde comment les obtenir, alors les deux, la même condition, celui-là, l'eau, le puissant démon. Et la deuxième, Diao Chan, a la seule particularité que elle, il y a en plus événements, certains objets événementiels peuvent être échangés contre cette sculpture de commandant. Et l'autre, c'est la danseuse intrigante. Et quand on va dans le store, comme je vous le disais, ces lots ne sont pas encore présents. Encore une fois, je pense qu'ils vont popper dans la journée. Alors, je suis bien content qu'ils ne popent pas tout de suite car je peux vous donner ce conseil-là. Ne les achetez pas immédiatement. Normalement, d'après la mage, il va y avoir des nouveaux events qui vont pop. C'est très probable. Si ces events pop, si on a un event de Thanksgiving ou un event de début décembre, on va avoir, en plus des packs événementiels, on va avoir de nouveau les achats à 2500 gemmes par jour. Donc, je vous conseillerais d'acheter ces packs le dernier jour qu'ils apparaissent, c'est-à-dire s'ils sont là pendant 3 jours, pendant 7 jours, pendant 5 jours. Achetez-les à la fin, juste avant la fin du timer, enfin le dernier jour de ce timer. Ça vous évitera d'acheter des packs si vous êtes un load spender ou même un tout petit free player qui paye un petit peu, ça vous évitera de les acheter et devoir par la suite en racheter ou rager parce qu'il y a un event de dépenses, d'achat plutôt, de pack de 2500 gemmes par jour qui pop. Donc vraiment à chaque fois, je vous l'ai toujours dit depuis le début du jeu, ça fait 2 ans que je vous le dis maintenant, la patience paye toujours dans Rock. Donc il vaut mieux attendre le dernier jour et même si on veut tous les débloquer tout de suite, moi-même j'attendrai le dernier jour pour l'acheter. Il y avait aussi dans ce pack, vu que je suis dans les lots, l'annonce de nouveaux packs d'approvisionnement. Alors moi, j'ai beau les regarder, je ne les trouve pas. Hein, des packs uniques qui apparaissent tous les 7 jours. On y retournera voir le log pour l'appellation exacte. Il n'y a rien dans le nouveau store, même pas de nouveaux icônes, même pas de nouveaux effets sonores. Rappelez-vous, il y a quelques temps, Kevin était encore au conservatoire et avait des cours de musique. Et avec sa fanfare, il nous faisait à chaque nouveau patch, ils refaisaient les sons du jeu. Là, ils ont arrêté de le faire. Ils en ont eu marre de payer cet orchestre symphonique. Du coup, ils ne refont plus les sons du jeu. C'est tant mieux. On pourrait penser qu'ils vont s'investir davantage sur les nouveautés ou pour patcher les bugs. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils s'investissent davantage pour nous prendre notre argent. Et parfois, ils nous font une petite récompense d'ailleurs. Regardez, on a reçu le mail système. Donc, comme je vous le disais, on a reçu pour 5 heures de maintenance
500 gemmes et 5 heures d'accélérateur et 3 clés en or. Alors ça, vous le savez, les gemmes, c'est de la balle. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Donc on le prend, c'est du lourd. 500 gemmes, ça fait du bien. Et dans le dédommagement, pour l'erreur de description, celle-là est quand même assez drôle. Pour Chandragupta, une erreur de description, on change une ligne, on nous donne une compensation. Pour notre ami, le dernier commandant en date infanterie qui est sorti, Harald, ils ont fait la même chose. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Que dalle. Donc si vous voyez pour Chandra, moi je l'avais en 3 et rien du tout. Donc 3 et que des 0 et il était niveau 1. Si vous regardez, ils m'ont rendu les têtes, je l'ai déjà remonté, hein. Mais ils m'avaient rendu les têtes, donc ils m'ont rendu les 30 têtes de Gupta que j'avais, donc de Gupta, de Chandra que j'avais plutôt. Donc j'ai récupéré ces 30 sculptures détentes, donc je les ai remis tout de suite. Et en plus, en compensation, qu'est-ce que j'ai obtenu? C'est quand même profondément injuste, il n'y a pas besoin de compensation. Ils m'ont donné 20 sculptures de commandant légendaire. Et pour ceux qui l'avaient juste débloqué, ils ont pris 10 sculptures de commandant légendaire en compensation, en dédommagement. Et pour ceux qui l'avaient expertisé, ils ont pris 50 sculptures de commandant légendaire. Je vous avais annoncé ce tarif, hein. Je vous avais dit 40 quand on l'a expertisé. C'est 50 en fait, donc 50 sculptures. Et là, 20 sculptures sans rien faire. Alors, je ne vais pas me plaindre, mais je trouve que c'est abusé parce qu'ils ne le font pas pour tous les commandants. Encore une fois, ils ne l'ont pas fait pour la modification sur Chandra. Pareil, Artemis 1er qui prenait un bug de ouf, qui se mettait, ils nous l'ont dit, ils l'ont corrigé, qui se mettait ses propres coups. Là, les mecs, ils nous donneraient en compensation alors que ça fait des mois qu'on se fait déboîter soi-même, puisque c'était possible de se faire des dommages à ses propres troupes. Alors que là, juste un petit bug, juste un problème dans la description de Chandra, et on a tout de suite une compensation qui est totalement abusée. C'est ainsi, au moins, vous le connaissez le tarif de ceux qui l'avaient expertisé, 50 sculptures et 10 sculptures si vous l'aviez juste débloqué. Il y avait aussi des choses qui auraient pu arriver au niveau de la forge. Je n'ai rien constaté dans la forge. Si vous avez vu quelque chose, un item que je n'ai pas vu, moi, j'en ai vu aucun. J'ai tout regardé, j'ai rien vu de nouveau. Alors peut-être il y a eu quelque chose de nouveau, mais je ne l'ai pas vu. Mais comme vous le savez, je suis assez aveugle à la forge, hein. Il y a vraiment des items parfois qui apparaissent. Vous voyez ces items-là, je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu les skins, mais franchement, au niveau des bijoux, j'y vais jamais. Ces items-là, la vengeance... mais c'est ceux qui nous parlent, peut-être on va les re-regarder, les logs. Je crois qu'ils le disaient dans les logs, le nom justement de ce qu'ils avaient ajouté. Si on regarde l'update, la mise à jour 1.40, ils le disaient quelque part qu'ils avaient ajouté les 4 items là. Ça serait donc ces 4 items là, autre optimisation, ajout, 4 approvisionnements. On les a pas vus, hein, les 4 approvisionnements. Enfin, si c'est peut-être ceux qui sont à la fin, d'accord, ils y sont. Mais j'avais l'impression, moi, qu'ils étaient déjà là, hein, je vis dans un monde parallèle. Et effectivement, 4 nouveaux accessoires, c'est bien ceux-là, on les voit, le tambour de guerre. Donc pour une fois, j'ai pas rêvé. Et ces 4-là, donc l'appel de 7, la vengeance, le tambour de guerre de Karuak et la toile de Mora, quand vous voyez ce qu'il faut pour les crafter, hein. Il va falloir vraiment avoir beaucoup de patience. Ça peut être obtenu lors d'un événement. Celui-là, ça peut être échangé dans la boutique de la saison de conquête. On va aller voir derrière la boutique. Ça peut être échangé dans la boutique de saison de conquête. Et celui-là, obtenu lors de certains événements. Bon, on en saura davantage plus tard. Quand je vous disais dans les événements, il y a eu aussi des petites modifications. Et certains m'avaient dit dans les commentaires, que j'avais corrigé d'ailleurs par la suite, sur la Ligue Osiris, regardez, maintenant on a un décalage dans le calendrier et on a cette icône qui correspond à la grande finale de la Ligue Osiris. Certains d'entre vous, quand j'avais dit dans le patch qu'on ne savait pas ce que c'était cette grande finale et faudrait nous en donner davantage, m'avaient dit que c'était comme l'année dernière et je vous ai rappelé dans une vidéo juste après que l'année dernière, ça avait le nom de l'invitation d'Osiris. Ce qui n'était pas le cas là, ils qualifiaient ça de grande finale. Et donc, ce n'est effectivement pas la même chose. Les deux champions de domaine s'affronteront lors de la grande finale pour déterminer l'alliance la plus forte de la Ligue Osiris. Donc là, nous n'aurons pas les matchs comme on a eu la saison dernière. Donc en plus, d'après ce qu'on a lu, ça sera en 3 manches. Donc ça sera au meilleur des 3 manches. Donc celui qui va marquer 2 points aura tout de suite
gagner. Ça va vraiment être intéressant à suivre et on pourra de nouveau parier, puisque c'est ce qu'ils avaient annoncé. Si on y va directement dans la ligue, on n'en sait pas davantage. Il n'y a pas plus au niveau du magasin, il n'y a pas plus au niveau des événements. D'ailleurs, information intéressante pour ceux qui ne le savaient pas, moi-même, je ne le savais pas, puisque je n'ai jamais été dans une alliance qui a atteint la phase de play-off, la phase de pari. Regardez ce screen que l'un des joueurs des K374, qui est un abonné, merci à lui, m'a envoyé sur Discord. Regardez, vous ne pouvez pas miser sur les batailles de cette alliance. En fait, on ne peut pas miser sur une alliance apparemment qui est de son royaume. Donc lui-même, je fais ce parallèle-là car lui-même m'a dit qu'il ne pouvait pas parier quand il était membre des K374, mais aussi s'il sort de l'alliance, il ne peut pas parier non plus même s'il va dans une autre alliance. Donc apparemment, on ne pourrait carrément pas parier sur une alliance de ce royaume. Alors c'est vraiment dommage pour eux, mais je pense pas que c'était le cas en saison 1. C'est quelque chose qui a dû arriver dans un patch silencieux. En tout cas, pour cette saison 3, c'est pas possible. Mais ça évite justement de fausser le match et fausser les mises. Et donc, ça renforce ce que je vous avais dit, qu'au niveau des P636 contre les V636 côté Anubis, bah, ils ne peuvent pas laisser gagner l'un l'autre. Surtout pour quelque chose d'aussi dérisoire que des Auric, hein, ils ont vraiment aucun intérêt à le faire. Ça serait n'importe quoi. Donc là, en plus, ils ne pourraient même pas le faire. Ils ne pourraient pas parier contre eux ou sur le fait qu'ils perdent. Ça évite de truquer les matchs. Au niveau des events, hein, il n'y a rien d'autre qu'à pop. Le plus grand gouverneur, c'est toujours pour le moment Zenobia sur mon serveur. Peut-être sur les serveurs plus vieux, je suis en 1256, peut-être sur ceux qui sont en série 1000, c'est un autre commandant. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous, vous avez déjà l'annonce des nouveaux commandants. Ça m'étonnerait car on n'a pas les sculptures. Donc là, j'ai été étonné aussi que les deux commandants archers ne soient pas injectés maintenant avec ce patch-là. C'est vraiment étonnant, mais pas surprenant de la part de Lilith. Ils ont quand même l'air d'avoir bien galéré sur ce patch. Il y a eu d'autres petites modifications, hein, beaucoup plus légères. Déjà, le fait que le journal, si on va acheter le journal, regardez, maintenant, ils ont arrêté les gemmes. C'est bien 1000 d'or, hein. Ils ont clairement arrêté leur connerie. Pour le reste, rien ne change. Un petit buff aujourd'hui, dégâts sur barbare, plus 5%. Ça, c'est très très propre. Et dans les autres mages, on voit des petites améliorations. J'ai vu par exemple, dites-moi en commentaire si vous constatez des petites améliorations visuelles ou autres que je n'aurais pas vues. Mais il me semble que quand je vais dans Alliance et que je vais dans Cadeau d'Alliance, non, c'est pas le Cadeau d'Alliance, ça a déjà acheté des packs d'ailleurs. Est-ce que c'est un pack que je ne sais pas? Non, c'est en tenue. Si on va dans Technologie, c'est les gains. Voilà, regardez, ils ont changé cette icône. Je ne crois pas que cette icône avait cette tête-là ce matin lorsque je l'ai fait. Il doit y avoir d'autres petites modifications subtiles comme ça qu'on n'a pas remarqué ou que je n'ai pas encore remarqué. J'ai été dans le VIP, voir s'ils ne nous avaient pas mis le VIP 16, le VIP 18, pardon, discrètement. Il n'y a pas de VIP 18, il n'y a rien dans le store en nouveau. Quand ils mettent quelque chose en plus de nouveau dans le store, ce qui est bien, c'est que ça reset le store. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai rien vu d'autre. Mais j'ai re-regardé le patch log. Je vais le relire rapidement avec vous, voir si j'ai raté quelque chose du royaume perdu, les modifications du royaume doré, du nouveau commandant, les optimisations d'immigration. Rien qu'on peut constater. Les rassemblements, ça sera à tester. La grande finale, comme je vous le disais, une compétition en 3 manches. Les nouveaux items, réduction de la quantité d'or pour forger des équipements. Ils ne nous ont pas forcément rendu, même ils ne nous ont pas rendu de l'or pour autant. Ou s'ils nous l'ont rendu, je ne le constate pas parce que j'ai l'impression que j'étais déjà au-dessus de 400 millions en or. Peut-être ils nous ont rendu. Si vous constatez qu'ils nous ont rendu le surplus, dites-le nous. Mais moi, je ne le constate pas. Et résolu des problèmes de latence. Peut-être parce que j'étais peut-être qu'à 350 millions. Donc peut-être ils m'ont rendu un surplus d'or. Ça sera à vérifier. Donc, et pas de VIP 18. Hein. Je regarde toujours parce que ces DRA, ils sont capables de le mettre vraiment comme ça sans rien nous dire. Mais en tout cas, là, rien à ce niveau-là. Au niveau des autres choses assez éloquentes que j'ai remarquées, ils nous ont mis dans leur petit truc rock là, qui sert à rien, leur communauté. Vraiment, là, c'est n'importe quoi. Ils nous ont mis une sorte de pseudo-event ou un pseudo-sondage. Franchement, je ne sais pas à quoi ça arrive. Time to flex. Et juste for, c'est quelque chose d'officiel. Juste for reply et donner sa puissance et voir qui est le plus puissant. Je ne comprends pas l'utilité, ça ne fait pas, c'est pas ça qui va animer la communauté. Vraiment, je ne comprends pas l'objet de ces posts lorsqu'ils nous en font ou lorsqu'ils nous parlent de nous raconter une histoire avec César ou avec un de ses commandants au début du jeu.
Franchement, je suis totalement imperméable à ce genre de conneries qu'ils postent, que ce soit ici ou sur Facebook, et je ne comprends pas. Est-ce que les Asiatiques kiffent ce genre de choses? Mais en tout cas, moi, je ne kiffe pas. Alors, je suis peut-être un extraterrestre. Dites-moi, vous aussi, en commentaire, ce que vous en pensez. Si quand il y a ce genre de choses, vous répondez ou vous racontez des histoires de jeu et que vous trouvez que c'est de la balle, mais moi, perso, je trouve ça tout naze. Yeah. En revanche, ce qui n'est carrément pas tout naze, c'est sur Discord actuellement et ça fait 2 jours consécutifs. Là, je vous le dis, vous avez encore jusqu'à demain 8h du matin, donc 7h UTC pour aller cliquer. Ruez-vous dessus. En ce moment, il ne donne plus 2000 gemmes, mais 5000 gemmes en giveaway. Donc, allez sur le Discord officiel. Allez dans l'onglet Discord Event et cliquez sur le petit icône là, le sorte de piment. Cliquez dessus là, un petit chapeau avec des cotillons. Cliquez là-dessus, vous pouvez gagner 5000 gemmes. Là vraiment, ça plaisante pas. 5000 gemmes, c'est quand même une belle récompense. 5000 gemmes, ça fait bien. Si on regarde dans le store de gemmes, par exemple, si je devais acheter 5000 gemmes dans le store de gemmes en magasin de gemmes, ça correspond quand même à 21 €, 22 € si on est sur le store européen. Franchement, là, ça commence à être vraiment intéressant. Alors évidemment, il faut avoir la chance d'être tiré au sort, mais une chance de gagner 5000 gemmes, moi, je les prends, donc vous aussi. Les gemmes, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, c'est de la balle. Les gemmes, on ne crache jamais dessus. Allez, cliquez, ça ne vous coûte rien. Ça va vous prendre 5 secondes. Discord officiel de Rock. Alors, certains me demandent, ah, mais il est où le Discord officiel de Rock? Ben, c'est assez simple. Normalement, on peut avoir l'onglet. Où c'est qu'on accède à l'onglet? C'est pas ici que je vous dise pas de bêtises. C'est peut-être ici. Non. C'est là-dedans qu'on va l'avoir, l'onglet. Où c'est qu'il nous le montre? Je ne sais plus où c'est qu'il nous le montre dans le jeu, l'onglet officiel de Rock. Mais il y a un endroit où on peut le voir, c'est dans communauté. Voilà, c'est là et communauté. Et vous avez le lien Discord avec un E magnifique. Hein, cette traduction en carton fait par Kevin. Discord avec un E. Vous cliquez, vous allez sur le Discord officiel. Et vraiment, ça vaut le coup. Pour 5000 gemmes, il n'y a rien à faire. Juste un clic. C'est encore plus rentable que d'attendre les 5 heures de maintenance et d'avoir 500 gemmes. Là, c'est vraiment de la balle. Voilà, moi je n'ai rien remarqué de plus. Peut-être un nouveau thème. J'ai pas été vérifier les derniers thèmes. Celui-là me disait rien. Cottage de récolte. Celui-là, je ne le connaissais pas. Le palais d'été, je le connaissais. Celui-là, il ne me parle pas du tout. Celui-là, comment on l'obtient? Cet objet peut être obtenu dans certains événements. Alors, je me trompe peut-être. Je rêve peut-être. Mais celui-là, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu. Je n'ai pas souvenir du tout d'avoir vu le cottage de récolte, cet épique-là. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois. Mais je pense qu'il est nouveau. Donc voilà, si vous voyez d'autres nouveautés, n'hésitez pas à me les partager encore une fois sur Discord. À chaque fois, vous êtes très nombreux à m'écrire dès que la mise à jour, dès que le serveur est revenu pour me dire tout ce que vous voyez de nouveau. Et je vous en remercie. C'est vraiment de la balle à chaque fois. Ça me fait gagner un temps fou. J'espérais qu'on ait le KVK. J'espère toujours qu'on va l'avoir. Normalement, je vous le dis, hein, je pense qu'il va popper au plus tard lundi pour tous ceux qui sont sur les royaumes en attente d'un KVK saison 6, le nouveau système de KVK. Je pense qu'on l'aura d'ici lundi. J'espère ne pas me tromper. En revanche, ce que je pense aussi, c'est qu'on va se remanger une maintenance rapide car il doit encore avoir des bugs. Ils ne dépassent que rarement les 5 heures et quand ils font 5 heures, c'est qu'ils ont des problèmes et ils relâchent à chaque fois les serveurs, ils les libèrent, ils les re-up car au-delà de 5 heures, ça commence vraiment à faire long et même pour eux, dites-vous bien, quand ils relâchent à midi ici, il est 20h un vendredi, hein, 20h à Shanghai. Donc, ça commençait à être tendu pour eux. Ils allaient manger sur leur week-end. Et à mon avis, ça doit râler quand c'est comme ça, comme dans toutes les entreprises, même les entreprises IT. C'est comme ça. Donc, vraiment, je pense qu'on va se remanger une maintenance surprise, soit dans la journée, soit dans les jours qui viennent, peut-être ce week-end. Et qu'on va avoir le pop des packs qui vont arriver. Donc, si au passage, on pouvait avoir le KVK, ça serait de la balle. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir et je vous en remercie énormément. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous.
Passez un excellent week-end, les amis. Faites bien attention à vous. Et je vous dis à plus sur Rock.